Salut tout le monde, alors je suis bien arrivé en Italie pour le Hunting Summit 2019. Donc en fait c'est un week-end qui va regrouper plusieurs influenceurs. Et on va notamment faire pas mal de tirs et on a des spécialistes du tir, il y a un médaillé olympique et un tireur sportif qui vont nous aider à se perfectionner dans notre tir, surtout à moyenne et longue distance. Hello, Alex. Hi. I'm Michael. Ah, okay, nice to meet you. Nice to meet you. Hi. I'm Voilà, après les grosses chaleurs d'hier, là, on est un peu plus au frais, là, et on part au shooting range. T'es chaud, Victor, ou pas? Ouais, on va essayer de bien tirer. Nickel. Il fait déjà chaud, là. Tu fumes les toilettes, parce que... C'est vrai qu'elles sont propres. This is the place where we will shoot from. Donc là on a fait un premier tir à 100 mètres pour bien vérifier les carabines et là on va tirer un peu plus loin. 200, 300, 400 et 550 au maximum. Donc on est en équipe en fait là, et moi je suis avec Ramon qui est espagnol. Du coup lui il a l'habitude de tirer à longue distance etc, donc c'est formateur parce que moi j'ai pas l'habitude d'aller dans ce genre de stand. Ok, in the middle. In this case it's only for the ball, in 400. Ok, ok. And need stop the reticle. Just a few. Good. Hit. Point matériel. Donc on tire avec les nouvelles Steyr monobloc. Des carabines synthétiques très ergonomiques. Après en optique on a les nouvelles Z8i là, qui viennent de sortir, donc les 3.5 28 par 50 qui sont des optiques voilà, faites pour quand même le tir à longue distance. Puis on tire les nouvelles Norma, les Bond Strike, donc qui ont un coefficient balistique très intéressant, 0.615, qui permet d'avoir une balle qui a une trajectoire très tendue, tirée à moyenne et longue distance et garder une bonne force d'impact et un bon pouvoir d'arrêt. Bon Victor, qu'est-ce que t'en penses là? Écoute, on va essayer de pas être trop mauvais. On attaque à quelle distance là? Là on est à 430 mètres. 430 mètres, voilà. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Yellow gate. Yellow gate. Perfect. Hit.
Right, go. Cool. 430 mètres là, touché. Je sais pas si on entendra le son à la GoPro. Mais là, je l'ai bien en main, bien calé. Vraiment le plus important. Enfin, moi, je suis pas du tout un habitué du tir longue distance comme ça. Mais il faut vraiment que le réticule bouge pas du tout, du tout, du tout. Si vous avez le moindre doute, vaut mieux vous recaler. Et... Donc là, 550 mètres, j'ai réussi à la toucher. Je n'en reviens pas, mais les gens sont de très bons conseils, donc c'est vrai que ça aide bien. Bon, bien voilà, là c'est le dernier matin en Italie avec Zarowski pour le Hunting Summit 2019. Là, on va se retrouver une dernière fois au stand de tir. Ce matin, c'est compétition générale. A priori, il nous réserve un petit programme sympa. Do it this morning. So, the last morning, the last program. And I'm not even competing. So we will do the competition in pairs. As I explained before, the challenges we did yesterday. So the competition first round will take about an hour and a half here. And alors la compétition se passe de la façon suivante, il faudra courir 100 mètres, après on aura un tir à 200 mètres, 330 mètres, un tir à 430 mètres. Et en fait on ne pourra pas accéder à la cible suivante si on n'a pas touché la première, c'est-à-dire que si on ne touche pas le 200, on ne peut pas passer au 300 ni au 400. Je pense que ça va être assez challenging comme ils disent ici. Ready, set, go! Hit. Ok, donc là on rattaque à 550 mètres parce qu'ils font la compétition sur 200, 310 et 430. Donc on va continuer à 550 mètres, là je viens d'en toucher une. On va essayer de la retoucher. Allez, j'arrête là, c'est bien. The winner is Peter. Woo! Houston Gold from South Africa.